Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2. On entre dans le repère de l'élu. On joue bien sûr à XCOM 2. War of the Chosen. Et on a gardé l'Overwatch. C'est fun. Très prudent. En fait, je le savais parce que dans la mission où on trouve le Spark, ça faisait un peu près pareil. Pas étonnant que rien ne semble pouvoir ralentir ces assauts contre nous. Ok, détruire le sarcophage de l'assassin, c'est comme... Ah, mais c'est Stargate! C'est comme si rien ne pouvait vous arrêter, XCOM. Toujours vaillant. Une épitaphe digne de votre espèce à jamais gravée dans les mémoires. Ça ressemble un peu à un truc comme à la Stargate, justement, où il régénère dans les sarcophages, non? C'est Apophis. Ok, donc je pense que c'est ça le machin à défoncer. On va envoyer notre costaud. Alors je pense qu'ils ont pas prévu qu'on ait encore un gars furtif, hein. Encore que. Faut quand même l'avoir prévu. Mais vous noterez qu'on avait les Overwatch en arrivant. Bon, ça ne sert à rien parce que, évidemment, on les perd tout de suite, mais... attention. Elle peut être déjà sur la map. Donc en fait, bouger costaud, c'est pas forcément une bonne idée. Mais je pense que c'est la meilleure idée qu'on ait. Je vous fais confiance. N'essayez pas de vous cacher. Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle repère les ennemis sans se faire repérer elle-même. Ok. Un codex et une saleté. Bon, de toute façon, ça va être la guerre très très vite. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs? Il n'y a rien à faire exploser, donc déclenchement à distance ne vous aidera pas. On a un 100% là, mais l'angle de notre perso est pas bon. Je vais me placer. On va retirer costaud. Ce qui est étonnant, c'est que quand costaud repère une unité, on la voit tout le temps après. Mais vous voyez, on a repéré l'autre. Je l'ai vu, là, il y avait un autre machin à côté. Et ça nous l'a pas montré. Du coup, assassin, on pourrait simplement... Boum boum la guerre. En double tir, par exemple, en tir rapide. Il l'avait il y a 2 secondes, pourquoi il ne l'a plus? Ou alors, on peut simplement se mettre en position pour le combat. En espérant pas pouler le machin. Tiens. On le voit, mais je suis pas sûr. On le voit, mais ça peut être en surveillance. Il faut regarder comme ça. Vous voyez la petite flèche là. Si jamais je me mets là. Il nous voit, il nous voit, il nous voit, il nous voit. Okay. Donc faudrait rester là-haut. En couvert léger. Ok, on va d'abord bouger les autres. Comme ça, si on poule, on aura toujours le leurre disponible. On va bouger notre patriarche par là. Le patriarche ou notre rascal? Je pense que c'est plutôt le rascal qu'on va mettre là. Mini, où il est le rascal? Il est là. Hop. Ah, il a pas le mouvement, dommage. Le rascal, on peut le mettre de l'autre côté. Et ce serait pour couler un autre pod. Pour l'avancer, là, ça serait carrément la guerre. Ah, ok, bon, bah ça va être le patriarche alors. Allez, l'ancien. Je suis en route! Rien, très très bien. Ça c'est parfait. Ça on est prêt. On va mettre Mini sur l'angle. Il y a quoi par là? Parce que c'est notre tank quand même. Voilà, on gagne un tour. On prépare plus ou moins notre placement. Je suis pas fan de ne pas avoir scout le côté droit, mais on n'a pas de furtif. Donc scout du côté droit, ça pourrait s'appeler un pool. Simplement. Juste le mettre là, juste à côté. De toute façon, il va bouger, Vatis. Pas trop tôt. Vigilance. En fait, je me demande si eux bougent. Si ils bougent, c'est génial parce que s'ils bougent, ils déclenchent notre Overwatch et puis on fait un carton. Hein. Mais je veux vraiment pas déclencher moi-même les hostilités. Hein. Je veux envoyer costaud d'abord, nous repérer ça et puis qu'on fasse un triple assassinat dessus. Hein. Le cône aussi, j'aimerais bien qu'il revienne. Donc là pour le moment je crois qu'on va juste aller sur un long couvert lourd. On le voit mais en vision commune. Donc normalement c'est bon. Tout de suite. On devrait pas se faire repérer. J'aime bien l'idée d'avoir cet angle. Voilà, et là ils vont déclencher les Overwatch, ça va être génial. 8 de dégâts. Alors, est-ce qu'ils ont tous les deux le... Lui, il a la visée holographique, est-ce que l'autre, là?
Non, l'autre n'a pas la visée holographique, donc c'est le premier clone qu'il a, c'est marrant, hein. Sachant que c'est le premier clone qui n'a pas l'action qui reste. Raté, ah dommage. Raté, et il y avait protecteur s'il avait touché. Ah, MJ a protecteur. Il a protecteur au pistolet. c'est pour ça qu'il faut le mettre en surveillance, faut que j'y pense aussi, hein, MJ, se mettre en surveillance snipe. Bon, là, les trois sont morts. Hein. Je vois pas un monde où je les rate, là. Parce qu'il y en a un qui est flanqué, deux qui sont flanqués, et un qui est derrière un léger. Par contre, je crois que le jeu a bugué. j'ai tout planté. Bon, alors, je sais pas trop. Je vais attendre un peu et puis voir. Je fais une coupure... Si ça prend vraiment beaucoup de temps. Je sais pas trop. Ça a l'air d'avoir planté, hein. Ok, donc ça m'a remis là. Le jeu a tout planté. Ça m'a remis au moment où on arrivait dans la salle. Donc, alors je sais pas c'était quoi ce freeze, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Un freeze où il se passe rien. Donc on va refaire exactement les mêmes mouvements. Normalement, il garde les mêmes jets exactement. Hein. Donc, on avait été là sur le bord. Je vous fais confiance. On avait repéré le pod. Vous n'irez plus nulle part. Puis toujours au même endroit. On n'aura sûrement pas les mêmes tirs par contre. Et on l'avait planqué ici notre costaud. Si je me souviens bien. Ensuite, on avait pris le patriarche. On va essayer de refaire exactement pareil. Et si ça reproduit le bug, ben on essaiera de l'épouler classiquement, simplement. Voilà, et là on avait mis une vigilance. Tout de suite. On avait mis Mini dans l'angle. Il y a quoi par là ? En vigilance. Scan en cours. C'est la première fois que ça me le fait. Hein. Mais je comprends pas pourquoi ça freeze quoi. C'était du tour extraterrestre. Je pense que c'est à voir avec l'événement élu justement. Que normalement l'élu, dès qu'on est repéré, il doit intervenir. Mais là c'était en plein milieu d'un Overwatch. Peut-être que ça a tout cassé quoi. MC, on l'avait mis où ? Là je crois. Faut pas que ça traîne. Oui, je dois dire. Et Rascal, on l'avait mis à côté en protecteur. Bon, si c'est comme ça. J'aimerais bien utiliser sa capacité régénération, mais pour 4 points de vie répartis, je trouve ça nul. Et l'autre, on l'avait mis à l'autre. Pas besoin de demander deux fois. Voilà. Et là, normalement, on est reparti. Je saurai vous retrouver. Alors, est-ce que ça refait exactement les mêmes jets? Et non, on a raté cette fois. Ah, oh, c'est dommage. Donc il se dédouble pas. Aucun dégât. Est-ce qu'on touche l'autre truc? Il y a même pas un tir sur l'autre, ok. Ah, c'est peut-être ça qui a bugué la première fois. C'est qu'il y a peut-être pas eu cette animation. Ok, bon bah c'est moins bien que tout à l'heure, hein. Un tir pour rien. Là on a touché avec personne quoi. Je veux dire, c'est pas cool ce jeu hein, des fois. C'est ok, Gilou qui met quand même son œuf. Alors que tout à l'heure on l'a quasiment tué hein, le machin. Bon, c'est pas cool de se faire arnaquer comme ça, mais c'est pas grave. On a largement de quoi gérer. On peut faire un tir rapide. Je pense que les deux tirs agissent avant qu'ils se dédoublent. De toute façon, est-ce qu'on a mieux ? Touché. Oh, l'écorchure qui fait le clone.
le clone qui est flanc. Ok, l'ancien. Donc je fais un truc, je suppose. 39%, waouh, c'est pas beaucoup. Pourquoi il est pas flanqué d'ailleurs, l'ennemi? Là, il le serait. Aucun problème. Mieux, hein. 84% en flanque avec une bonne chance de crit. Joli. C'est dommage, sur dégâts max, je crois que le plasma rajoute plus 3. Bon, on l'a mis à 2, ça va. Reste quoi, il reste 60% pour le codex. Run and gun. On va quand même bouger avant. Codex est à 4 points de vie, il a portée de protocole. Il est aussi à portée de main fulgurante. Au pistolet. 52 à l'autre bout. 32 lui. Non, je crois que 65 c'est bien. Puis on peut faire un snipe sur l'autre. Pour avoir un pourcentage décent plutôt que d'avoir deux tirs à 30%. Et c'est du 100% si ça touche. Oh, à part une esquive. Oh là là, l'esquive qui le met à 1. Mais heureusement, il se dédouble pas là pour le coup. Ok, et notre chef. Il faut tuer le machin là-bas quand même. Quoique le machin là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous foncer dessus et nous. Et nous faire un truc. On a combien? On a 100% pour le tuer. Ok, autant pour moi. Mini. Tue-moi le codex. Je garde le chef en Overwatch pour le protecteur. Ok. Et Mini avait peut-être une crosse. Qui faisait un kill auto. Comme ça, notre chef, on peut l'avancer un petit peu. Si je fais ça, je peux le tirer carrément le flanquer là. Ouais. Voilà, on s'est là. Ok, je vous fais confiance. Côté droit pour avoir un bel overwatch sur un truc qui bougera là-bas. On est toujours pas en temps limité. Hein. Je couvre la zone. Et là, on le tue. J'ai trouvé quelque chose. Prévenez vos dieux, ce seront eux les prochains. 0% d'être repéré. Pourtant, on a fait 98, un truc comme ça. Hein. Ok, est-ce qu'on va là-bas direct pour chercher le loot? Allez. Je dois faire vite. Rio Delirium. Oh. Oh. Ok, Costo doit s'en sortir en vie. Enfin, une vraie bataille. Du beau travail, XCOM. Sachez que vous avez mérité une belle mort. Ok. Très bien, nous avons déjà affronté ce genre de créature, et ça ne doit pas nous faire peur. Quelle que soit l'issue, nous devons rester en vie. Entendu. On va faire le cône. Alors je sais pas trop où le mettre, vu que de toute façon elle prend pas les Overwatch. Hein. Mais il peut y avoir d'autres gens dans la zone. Après je peux mettre un leurre et la forcer à aller dessus, mais je suis pas sûr qu'elle prenne le leurre non plus. Donc pour le moment je vais tenter la zone mortelle. Cette zone c'est la mienne. L'ancien, il peut pas faire grand chose. Il faut qu'on attende qu'un gars se fasse démonter. Par contre, on peut désigner lui comme volontaire pour prendre le premier taquet. Bien que normalement, c'est Mini qu'on a assigné à ce rôle. Hein. En gros, faudrait l'avancer assez près. Il est rembourré, il est armuré. On a tout fait pour que ce soit lui et on pourra faire une régénération le tour d'après. Donc, faudrait le mettre simplement en léger comme ça pour vraiment attirer l'attention. Ça devrait pouvoir se faire. Pas la peine de fuir. Bon, après, on peut aussi la démonter au lance-roquette. Hein. Je veux dire, si elle reste en plein open comme ça. On peut la one-shot. Attendez. Si on peut la tuer en un tour. Parce que là, on a expusé les actions de notre costaud, mais il n'aurait pas été. Vous voyez? Ça aurait pas été beaucoup pour complètement la ruiner. Hein. Non, les soins, faut les garder. Joliet peut l'allumer. Ouais, ça fait de la merde. Rascal, non, bah, je crois qu'il faut y aller au lance-roquette, lui enlever son couvert.
tout casser. On lui casse la bouche comme ça. En plus, elle est commotionnée, elle aime pas ça. Et maintenant, deux tirs au pistolet. Ça perce armure, ça lui ferait 8, 3 à 6, x 2. Ou alors un tir au snipe qui fait 2, 6 à 8. C'est moins bien, hein. 3 à 6 c'est mieux, x 2. Il y a que juste le pourcentage qui me turlupine un peu, 62%. Ah, c'est quand même plus rentable. Les dégâts sont vraiment moins bons. 6 à 8, 3 à 6. Ça ferait de 6 à 12 l'autre. Mais il faut toucher deux fois. À 60%, on va en rater un des deux. Là, on risque simplement de rater aussi. Hein. Donc, ouais, c'est le tir de pistolet est légèrement mieux. Bon, ça se joue pas à beaucoup. Hein. Mais le potentiel de dégâts est beaucoup plus haut si on est chanceux. Et ça nous utilise surtout pas de munitions. Donc, c'est tir au pistolet au moins une fois. Après, on peut décider de l'envoyer. Joli. Ah ouais, si ça crit. Si ça crit deux fois. Le pauvre assassin. Non, mais là, j'ai envie de tirer, mais il faudrait le mettre en couvert lourd, notre MJ, non? Quoique, elle va au corps à corps, de toute façon. Hein. Je pense pas que le couvert serve à quoi que ce soit. Hormis face à d'autres monstres. J'aurais pas dû faire le cône, vous voyez. Maintenant, je regrette. Parce qu'on aurait eu un tir de snipe supplémentaire. Qui enflamme, en plus. Cette erreur va vous coûter cher. Par contre, on peut mettre un Overwatch. Non, pas sur l'éclaireur. Ni sur l'assassin. En fait, vous savez quoi? Je vais pas mettre un Overwatch. Je vais tirer avec Théo. Mais je peux mettre un Overwatch sur Théo. Ouais, je vais mettre le protocole sur Théo. Comme ça, il aura automatiquement une vigilance à la fin. Une vigilance avec gardien. Et en fait, la deuxième action, on n'a presque pas besoin de faire autre chose. On pourrait simplement régénérer, mais là, avec le protocole, je pense qu'il se fera pas attaquer. Donc on peut déjà engranger un tir. Ça fera pas de mal. Cible coriace, dégâts nuls. Ce n'est pas une égratignure qui va me ralentir. L'ancien, on peut mettre un protocole sur quelqu'un aussi. L'idéal serait sur qui? Il faut toujours protéger ceux qui peuvent se faire one shot. Et celui qui peut se faire one shot, bah c'est lui-même. Mini, non, il risque rien lui. Joliet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, mais d'un autre côté, il riposte au pistolet. J'ai presque envie de la laisser faire. On va mettre sur assassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pareil. Lui est plus prêt, on va faire sur lui-même. Puis bien sûr, on va lui mettre un tir. Hein. Ah oui, elle déclenche pas les Overwatch en plus. Je le dis à chaque fois et à chaque fois je mets des Overwatch. Enfin non, la protection de toute façon est utile, hein, quoi qu'il arrive. Shogun. C'est quoi Shogun? Ah. Ouais, bah les Overwatch sont utiles, vous voyez. Parce qu'elle invoque des trucs bizarres. Des lanciers. Critique. Allez, un deuxième. Ah non. Ah mais c'est le cône. Ok, le cône qui agit très très bien. Ah bah j'ai bien fait de le mettre ce cône finalement. Bon, l'élu est dans un sale état. Hein. On m'a dit que c'était une mission ultra dure. Un petit peu déçu pour le moment. Bon bah ça c'était prévu. 9 quand même. Hein. Putain. Ok, on va faire régénération je pense. Roseau courbé, tout le monde a fait un jet de volonté parce que elle fait perdre de la volonté. Et elle est en Overwatch. Ok. Remettez-le sur pied au plus vite. Assassin. Tir de l'ombre, non. Leurre. Oh, leurre, c'est bon. Oh, mais en plus, faut recharger. Mais c'est pour ça qu'il a pas fait plein de tirs. Il a tiré qu'une fois, mais c'est pas grave. Alors, on recharge. On jette la leurre. Juste par principe. Je pense qu'on va la tuer ce tour, mais. Juste par principe, on va jeter une leurre bien en évidence sur. Alors, j'aimerais bien que ça soit pas trop près d'MJ. Là, j'aurais adoré qu'ils nous mettent un truc genre. Vous croyez vraiment que je vais me faire avoir par ça?
Vous savez que, qu'elle soit immunisée en fait. Alors, régénération. Est-ce que ça me bouffe toutes mes actions de faire ça? Soigne ou ranime tous les membres de l'escouade. Voilà, je crois que de toute façon on s'en fout, hein, il faut qu'on fasse ça. Ou alors je fais un protocole de soins simplement sur. Sur lui. Je peux faire les deux. Non, allez, ouais, on va tester régénération. Et espérer qu'on a une action derrière. Ça devrait aller mieux. Voilà, comme ça, on... vous savez, ces deux petits points de vie qui nous manquent, c'est. Ça me turlupine depuis qu'on a perdu Darko. C'est ce genre de petits détails qui nous avaient tués. Hein. Le fait de pas lui avoir soigné les 3 points de dégâts. Alors, est-ce que ça soigne de beaucoup? Par contre, non, que de 5. Hein. Vous voyez, ça soigne tout le monde, mais pas de beaucoup. Ok, costaud, j'aimerais bien pouvoir utiliser ses capacités spéciales. Là, frappe enragée sur lui. Ça a l'air nul. Soins médicaux, ouais, pourquoi pas. On peut aussi run and gun. Allez, les jeter. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle s'est pas mise derrière un couvert. Vous voyez, elle s'est mise derrière une hauteur. Donc, on pourra pas vraiment détruire. Mais on peut détruire le petit côté pour faire un couvert léger à la place. Je pourrais aussi la flanque, simplement la ruiner en run and gun. Ce qu'il faudrait, c'est lui virer son Overwatch. Éventuellement. Mais on la voit pas. On n'a pas en visuel hein, l'ennemi là. Éclaireur. Je vais où on a besoin de moi. J'aimerais c'est la mine Claymore, mais oui. Ok. Ah, je suis embêté quand même. On n'a rien pour tuer la petite. Le run and gun, mais on va prendre un coup. À la limite, on serait soigné derrière. Ouais, allez, on va encaisser un tir de l'élu. On va encaisser un tir de l'élu, ce n'est pas grave. Bien compris. On l'a même pas encaissé son tir. Ridicule. Est-ce qu'on lui tire une grenade plasmique dans la face? Elle aime pas les explosions, hein. Donc autant y aller. En plus, ça shreddera le dernier point. Et peut-être qu'ils la verront si le truc est détruit. Normalement, ils la voient maintenant. Ok, là tu me parles. Et là. Ouais, le lancier, faudra le gérer quand même, hein. Ah, j'aimerais bien faire la frappe enragée, mais regardez, c'est vraiment nul, hein. C'est vraiment caca. Je suis pas trop. Alors que je pourrais bouger et simplement la flinguer là-bas. Tout de suite. Ok, on va garder ça en réserve parce que j'aimerais bien soigner aussi. On va tenter le snipe. 46%, 42%. Tir au pistolet, 76%. 58. Allez, c'est pistole et confrontation. Voilà, ok. 2, 3 à 6, on a fait 3. Bon, c'est pas folichon, hein, d'accord. 5, mieux. Bim, 5. Bon, ça va, il engrange quand même. Il y a une leurre, hein. Mais du coup, ça va me tenter maintenant de... de faire déjà ce tir parce qu'on fait plus 1 avec piste sanglante. Non, il faudrait encore l'entamer un petit peu. L'ancien peut tuer le Valinor. Ah, il n'en reste plus que ça. En gros, ce que j'aurais aimé faire, c'est soigner Vatis avec l'ancien. Ça, on lui remettait ses 4 points de vie. Le lancier s'occupera probablement de lui. Elle, bah, on s'en fiche de qui elle s'occupe finalement. Parce que soit elle fera une vague upsy, soit elle, elle donnera un coup de katana à quelqu'un, et je pense qu'on peut survivre, hein, tout le monde. Bon, d'un autre côté, si on la touche là, on la décapsule avec Gilles. Donc ça, c'est une option aussi tentante. Hein. Mais 55% pour la gagne. Mais si jamais on fait ça, imaginons qu'on fait ça, et que le lancier n'aille pas sur la leurre. Ah si, il y a la leurre. Hein. Ouais, dans tous les cas, on est bon. À moins qu'elle retape sur lui et qu'elle lui mette un critique, par exemple, au lieu de mettre 9, elle met 11, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12. Je pense qu'il faut le tenter. Allez, on tente le kill. Oui. Eh ouais. Espérons qu'il n'y ait pas un twist. Pas un twist horrible. Un twist horrible. Docteur, l'appareil semble être une sorte de condensateur psionique. Il transfère une quantité détruire le sarcophage. D'énergie psionique directement à l'élu. Il le régénère. Ça explique leur immortalité. Ok. Ok. Bon, la leur va agir ce tour, donc pas besoin de décloquer notre costaud. On peut se rapprocher de là-bas pour voir ce que c'est que ça pourra. J'y vais. On a encore fantôme, hein. On peut se remettre en... Ok, heureusement qu'il y a un leurre. Parce qu'il a G direct, hein. Espèce de gros trichor. Oh là là, d'accord. Bon. C'est pas très bon, il va falloir qu'on se repositionne un peu. Heureusement, ils nous ont pas des cloques costauds. C'est déjà ça. Et lui se met en plein open. Dis-moi que les autres ne vont pas agir. Ah. Ok, on a deux snipers. Normalement, ils devraient fumer ce truc. Ouais, nos deux snipers peuvent allumer ce machin. Ok, je pense qu'on peut le détruire en très peu de temps. Ce qu'il faut déjà, c'est quand même se débarrasser des autres. Faut arrêter de focus que sur le boss. Parce que là on va mourir. Si jamais on fait pas plus attention, on va mourir. Hop. Mettre un coup de poing, ça ne suffirait pas. Mais par contre, un tir te tuerait. Allez, passe. Ça se passe comme ça. Ok, mini. Mini. On veut quoi? On veut le protéger de lui. Mais non, lui, il faut absolument le tuer parce que j'ai les sigilous en flanque. Donc je pensais tuer lui, mais il faut aussi qu'on se débarrasse de ce truc là. Joliet. Joliet peut allumer l'objet. Rascal. Rascal peut faire une super protect, mais il a qu'une seule bastos. Il peut aussi soigner. Éclaireur, on peut faire exploser lui. Et virer son couvert. Du coup, la clé mort, on se rasserait pas pour la fille. Huh. C'est un peu triste de faire ça, mais je crois que c'est le bon play. Clé mort là. Clé mort. Ce petit père, avec son couvert. J'ai presque plus de munitions. Ok. La dernière fois que j'ai fait Eye of the Lynx comme ça, on s'est raté. Hein. Ça m'embêterait de me refoirer. Il nous reste plein de gens à jouer, mais ah, on est vraiment limite. Hein. Ok. Désolé pour ça. Alors, soins rapides en cours. Qu'est-ce que c'est? Pourcentage accompli 50. Donc elle est en train de régénérer. Le problème, c'est que s'il y a des potes comme ça qui apparaissent à chaque tour, on va se faire massacrer. 100%, 70, ah, ça suffit pas pour la tuer. Faudrait tuer avec Rascal. Peut-être simplement recharger Overwatch. Mais il faut qu'on détruise l'objet. Hein. Bah, on n'a pas le choix, faut détruire l'objet. Faut qu'on engrange les dégâts dedans. Parce que vous savez pourquoi? J'ai l'impression qu'il va y avoir des pods à chaque tour. Qu'elle va régénérer avec ce truc. Et que... on sera toujours dans le côté on tue les pods. Donc, si jamais on met jamais de dégâts dans le machin, on va vraiment s'en vouloir. Après, je crois pas qu'il brûle. Hein. Par contre, le Berserker lui brûle.
Ah, c'est chiant qu'il nous ait invoqué un pod. Ouais, il faut qu'on... bouge Mini. Mini pourrait régler la situation. Si par exemple il peut tuer lui, mais faut qu'il reste proche du berserker pour prendre son coup au cas où. Faut bien qu'il ait 12 points de vie. Hein. Après, je peux simplement me rapprocher le plus possible pour avoir un tir sans faute sur lui. Berserker de toute façon s'en fout les couverts. Et s'il se jette sur MJ, il pourrait le one shot. MJ pourrait riposter au pistolet. Le couvert ne sert à rien. Hein. Donc on pourrait simplement aller chercher le loot. Et tirer sur l'autre. Allez, ça me plaît. Ok, je vous fais confiance. Il a pas l'air convaincu. Voilà. C'est qui le Red Shark de l'aventure? C'est pas un explosif, c'est MJ, un truc comme ça. Oh putain, le berserker, on va rien lui faire. C'est là où on voudrait avoir notre leurre. Hein. Je l'ai lancé trop tôt, mais... Fallait s'attendre au twist. Je l'ai dit en plus. 6 à 8. Allez. Avec beaucoup de chance de crit. 7. Évidemment, on le rate. Bon, ah. Ça c'était à prévoir. Tire mes dernières munitions. Donc, pas compliqué. Pistole. On aurait presque pu le one-shot au pistolet, dis donc. Trop fort pour toi. Et pistole encore. On l'entame. Il va taper sur quelqu'un, mais je peux rien y faire. Le seul truc, c'est qu'il va bouger. Forcément bouger, vu qu'il va au corps à corps. Donc à partir de là, on peut simplement recharger, se mettre en overwatch et le flinguer. On peut aussi l'enflammer et lui mettre très très cher au machin. Ça veut dire ne pas tirer sur l'objet. Et ça, ça m'ennuie parce que 50%... Si on a un tour, au prochain tour, pour refaire la même chose, on serait bien. Mais je suis pas sûr qu'on ait un nouveau tour. Bon, en même temps, laisser un berserker frapper, c'est vraiment pas une bonne idée non plus. Hein. Putain. Ouais, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, ouais, on va tirer, c'est pas grave. Avec un peu de chance, ça va aller à 75 et ça sera pas immédiat. On va soigner Mini. On soigne ou on recharge? Non, on recharge. Le but c'est de tuer le machin, c'est pas de bidouiller ou de faire autre chose. Voilà. 100%, on peut pas le tuer comme ça, il faut l'overwatch. Dans tous les cas. Ah, s'il avait pris 3 de blessures, on aurait mieux fait de tirer. Mais heureusement, ça a fait que 1. Et encore un pod. Oh là. Bon bah Théo, faut qu'il tue tout le monde là. Oh, il a pas déclenché l'overwatch de Théo? Ah si, quand même. Non, il a pas déclenché. Faut qu'il garde suffisamment de mun pour le berserker. Il va falloir faire mieux. Il l'a raté de toute façon, ok. Ouh, il l'a raté aussi. Ok. Non, parce que quand tu rates le... Quand tu touches, il n'y a que 50% de chance qu'il retire, hein, donc... Ok, il est à 75, d'accord. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Le problème, c'est les potes qui nous fait popper à chaque fois. Ça nous met vraiment dans l'embarras, ça. Ah, c'est con qu'on ait pas le tir rapide, 2 tirs dans le truc, ça aurait été tellement beau. 100% sur la chrysalis et ça l'enflamme. Je crois qu'il n'y a même pas de réflexion à avoir là, c'est du 100%. La brûlure étant tellement importante, voilà, elle on s'en occupe plus. Elle est morte. L'ancien. 100% sur le zerk. Non, je crois qu'il n'y a pas besoin. Ce qu'on va faire avec l'ancien, c'est qu'on va le mettre à couvert. Parce que c'est lui qui nous gênait. Et on va plus s'occuper des gens. On va soigner Baptiste. Non, on va se mettre en overwatch. Non, on va soigner. Allez. Soyons fous. C'est con, hein, on aurait un tir, j'aurais fait le tir, mais... Je sais pas pourquoi, il ne voit personne. Ok, Mini. Bon bah Mini, pas de soucis. Il va focus le truc. On va faire une main fulgurante sur le zerk.
va prendre de la brûlure. Hein. Bon, il va probablement m'en prendre qu'un, mais... 100%, 77 sur le Chrysalis qu'on a rien à faire, 66 sur le Zerg qui est un petit peu de court, 31 sur l'officier d'élite. L'officier d'élite par contre a des grenades, alors on est un petit peu obligé de faire quelque chose. Après je peux faire du pistol, 100, 73 sur la Chrysalis qu'on s'en fiche, 42 sur l'officier. Alors on fait 100 deux fois là, sans le tuer. Bah c'est une option. Et Vatis, on va s'occuper de l'officier. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer de faire un tir ou deux dans le sarcophage, retuer la méchante, et la prochaine fois, détruire le sarcophage. Parce que là, vous voyez, on a rien pu engranger dedans. Hein. Mais on aura tous nos cooldowns au prochain. Promotion reçue, ok. Tous nos cooldowns, là par exemple... 54, simplement aller se mettre là et le flinguer. Elle qui est toujours en fufu. Tuer le machin là-bas. Non, lui est mort. Mini. Je vais essayer de rapprocher Mini pour remettre un taquet au sarcophage. Alors, faudrait être sûr que l'officier soit mort, donc on va mettre Pascal ici. Ça devrait pouvoir se faire. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on va se reprendre un coup d'épée en fait. Ah, et ça le tue pas. Ok. Je vais où ? Je le vois même dans le noir. Je veux au moins mettre des dégâts, même si c'est nul, je m'en fous. Ok, ça nous a repéré, c'est pas très grave. Mini. On va essayer de mettre un tir dans le machin, mais juste pour au moins mettre la visée au lot. Lunette chargeur améliorée, ouais, elle a pas de crosse. La crosse aurait pu le faire. Ah, c'est dommage, si on avait touché là, ça le tuait. Du coup on a Rascal qui est tout seul là-bas et c'est le dernier à agir. Donc en fait je suis obligé de lui mettre un protocole de défense. Ça lui donnera l'overwatch. Donc peut-être qu'on le tuera en gardien. Mais il y a de fortes chances que le gardien soit épuisé sur la chrysalis et non pas sur lui. Mais on l'interrompra, hein. Il pourra pas tirer en tout cas. À moins qu'elle bouge, on rate ou ça fasse pas l'action. Et là voilà, ah ok. Ah ok. Bon, on a mis 5 points au sarcophage, ça va bien se passer. Une brûlure de 1. Ça aurait été de 3, on avait aussi gagné, hein, mais là, 1, ça suffit pas. Allez, faut le tuer. Faut que ça touche. Voilà, il faut que ça proc le protecteur. Sinon, on va se prendre... Ouais, il l'a. Ok. Donc là, on le réinterrompt. Faut que ça proc encore protecteur. Ou qu'on fasse 9 de dégâts. Ok. Je croyais qu'on avait pas assez de dégâts. Ah bah je me suis peut-être foiré. Par contre on ne peut plus tirer sur le machin. Hein. Rechargement. Ouais, on peut plus tirer sur le sarcophage, faut qu'elle soit dedans. C'est pas grave, maintenant qu'on sait. Le problème c'est comment on va la retuer. Comment va-t-on la retuer maintenant qu'on a utilisé tous nos explosifs? Déjà, on la décloque, hein, bien sûr. Pas. Les anciens connaissent parfaitement votre espèce, faucheur, chasseur, collectionneur de trophées. Vos crimes ne nous sont pas inconnus. Il faut qu'on la shred avec Mini. C'est le seul qui shred dans l'aventure. Donc là, on va prendre un tour calme. Elle va assommer quelqu'un, donc ça va être sûrement Mini qui va reprendre le taquet. Si jamais j'arrive à le mettre, entre guillemets, en première ligne. Bon, là on va pas le bouger, de toute façon on n'a pas le choix. Est-ce qu'on fait une suppression? Je crois que j'ai pas vraiment le choix, il faut que je fasse un truc. On empêche l'ennemi de bouger. Quoi qu'il en soit. Vous voilà. Allez partager ma douleur. On peut lui mettre un tir de perce armure là.
Attention, j'arrive. Faut qu'on ait beaucoup d'Overwatch pour le pop de monstres. Si jamais on peut détruire un des pop avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, ça serait bien. 7 de dégâts, c'est pas mal. Pascal, on recharge. Et bah c'est lui la vigilance. On va protéger tout ce côté-là en vigilance avec Pascal. Et il soignera bah, le premier qui va se faire prendre le coup d'épée. Éclaireur, on va tirer. Parce qu'on peut pas la shred de toute façon, autant y aller. Joli. Ah oui, elle était blessée et il y a eu piste sanglante et en plus c'est une faucheuse donc elle fait super mal. Notre assassin par contre, on pourrait refaire le cône. Non, je vais pas faire le cône, vous savez pourquoi? Parce que je suis quasiment sûr qu'il y aura pas de pod ce tour, vu qu'elle est là. Il n'y a que des potes, c'est quand elle est dans le sarcophage. Donc en fait j'aimerais bien garder la zone mortelle pour cette occasion. On va juste faire une surveillance. Parce que de toute façon on la voit pas. S'il y a un pod et que je me trompe, bah au moins il y aura une surveillance. Voilà. L'ancien, on va le monter. Ce serait bien que c'est lui qui prenne, hein. Il a plus de points de vie. Bien qu'il ait plus l'armure. Oh, il peut lui mettre un coup de... Ah oui, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'elle prend 0. Par contre, en faisant ça, je suis quasiment sûr que ça détruit tout le couvert. Donc faudra qu'on garde cette option. On va juste essayer de lui mettre un tic. 7, très très beau. Prochain tour, on la tue. Shogun, ah, bah voilà les Overwatch à quoi ils vont servir. Elle les aime bien ces lanciers, hein. J'ai marqué la cible. Allez, enflamme-le. Boom. Ah, oh, c'est beau ça. J'adore les munitions dragon, hein. Je trouve ça trop classe. Ok, MJ a pris. Est-ce qu'il va riposter au pistolet? Est-ce que tu riposes, bonhomme? Non, il stun. Volonté moins 3. Ma route est dégagée. Ok, alors ce qui est embêtant, c'est qu'elle s'est mise super loin. Ok. Par contre, elle est sensible aux faucheurs, hein, donc ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est que ouais, elle a un super couvert là-bas. Est-ce qu'on tente justement de casser son truc? On peut simplement tuer lui. Sachant qu'il brûle déjà, hein. Ah ok, on va y réfléchir. Mini peut run and gun. C'est le seul qui peut shred, hein. On peut run and gun ici. Ce n'est pas son flank. On ne voit pas que ça flanque, hein. Tac, là. Là, loin du flank. Ah, c'est con d'utiliser le run and gun pour même pas la flanquer. Autant aller simplement là. Autant tirer sur lui. En fait, ça me dérange pas d'attendre un tour pour la tuer, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, attendre un tour pour la tuer, ça ne fait pas tirer de pod. Par contre, je veux être prêt au moment où il y aura les pods qui arrivent. Déjà, on doit faire un soin médical sur Joliet, ça y a aucun doute. C'est le seul à qui il reste des soins. Ah, on l'a pas tourné. Et on a un tir à 64, donc on va plutôt faire la vigilance sans faille. Je reste en observation. Éclaireur. On va essayer d'entamer un petit peu plus la petite. Sans ça sert à rien de se cacher, hein. On va juste se mettre sur la hauteur. C'est un moyen d'aller plus haut que ça, non, y a rien qui soit plus haut. Okay. Je suis à vos ordres. On peut toujours se redissimuler, hein, sinon. 100% là-bas, ok. On va le garder au cas où. Assassin. Alors assassin, est-ce qu'on a un beau double tir? Double tir à 64, c'est vraiment pas mal. Ça nous forcera à recharger par contre. Ou alors on recharge, on tire au pistolet. Non, je crois que le double tir est bien. Vu qu'on va pas la tuer ce tour, il rechargera au prochain.
7 et brûle. Allez, touche-le encore. Bim, 3 et esquivé. Ah, dommage. Et le pire, c'est qu'avec la brûlure, je suis pas sûr que ça va le tuer maintenant. Donc je peux même pas tenter le diable. Ah, je peux même pas tenter le diable. Si jamais il brûle 2-1, je vais avoir l'air vraiment con. Par contre, est-ce qu'on réveille notre MJ? Le fait qu'il soit stun, je suis pas sûr que ça lui permette de faire quoi que ce soit à l'ennemi. Mais si jamais il a une attaque spéciale pour nous le tuer, on va être mal. Non, je crois qu'on va prendre le 100% ici. On peut pas le laisser jouer lui. Même s'il brûle, il fait un tir de laser. Boom. Ouais, et puis ça détruit pas le couvert, donc on a bien fait. Ça ne servira à rien d'autre. Et ça nous a rien coûté. Donc on flanque le vilain. Donc on flanque aussi la vilaine si on se rapproche. Ouais, on va compter sur Théo, son super Overwatch. Je l'ai pas flanqué là parce que je suis un boulet, c'est ça? Ouais, je suis un boulet. Ok, c'est pas grave. Quand même un tir. Ah, un tir dégueulasse. Ah là là, quel échec. Non, ça c'était vraiment moche. On va les démolir. Ouais, on a une gun. Compris, j'y vais. Hop. Ouais, la suppresse. Si elle bouge, on pourra toujours la shred. Compris, tir de suppression. Éclaireur, on va achever l'autre. Ça m'embête, 83%. J'ai touché son armure. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Gâchette facile, action gratuite. Ah, il veut vraiment qu'on tue le lancier. Hein. Faut qu'elle soit prête à se faire tuer rapidement. Si je peux la tuer en très peu de temps, elle va dans le sarcophage, on bazarde tout dans le sarcophage. Vous voyez les dégâts pipo qu'on fait? Non, on a fait 3 de dégâts, faut pas abuser. Je fais l'autre, pour être sûr. En plus, j'ai l'impression que ça loot à chaque mob, quasiment. Plus de munitions. On va stimulus geôlier, parce que j'ai pas envie de le laisser comme ça, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal finir. Et geôlier, je pense qu'on peut le mettre assez loin. Hein. On peut le mettre assez loin. Pour pas qu'elle le chope en vrai. Voilà, dans là. Affirmative. Nos deux snipers collés là-bas. Dans leur petit coin. Volatilisation. Ah bah non, elle se téléporte. Espèce de tricheuse. Ok, il faut la re-repérer, alors c'est pour ça qu'il est bien notre costaud. Bien qu'il ait besoin de recharger. J'ai chargé ses munitions moi-même. On recharge. On peut y aller. En fait, faudrait bouger. C'est ça qu'il faut. Si on bouge. À vos ordres. On peut peut-être la repérer. Je sais pas si on a possibilité de la repérer en fait. Je suis même pas sûr que ce soit possible réellement. J'essaie de regarder sur le sol si jamais il y a une case où on peut pas aller. J'ai pas l'impression qu'il y en ait une. Donc celle-là, là, dans la souche. Le patriarche, on peut aller chercher le loot. Le laisser en plein centre. C'est parti. Espérer qu'il la repère au passage. Il est passé, ok. Éléments récupérés. On n'a rien repéré du tout. Ok, bon bah c'est un tour de répit, mais c'est elle qui aura l'init. Un peu dommage. L'Overwatch sert à rien, mais bon, de toute façon aller ailleurs sert non plus. Reste en observation. Geôlier. Je sais pas où elle s'est téléportée. Ça se trouve elle est juste là et il suffit de la flanque pour la voir. Hein. Mais je vais essayer de bouger notre Ascal. Alors, faut qu'il soit quand même à portée de vue des autres. Voilà, genre les deux snipers ont une très belle vue si elle vient slash ici. Et après qu'elle se replie quelque part par là.
Ou alors carrément on le recentre. En le recentrant, pareil, il sera facilement aidé par les copains. Ce que j'ai peur, c'est qu'en le recentrant, ça fasse de lui une cible. Et on n'a pas envie qu'elle cible le healer. C'est le seul qu'on voit pas. Mais le healer pourra se soigner. Il peut prendre le coup, mais il sera stun. Donc il faut qu'on ait un de nos joueurs à côté de lui. Et j'ai pas envie de jouer un sniper. Donc il faut que ça soit Gilou. Donc je vais mettre Théo ici. Ah, oh, putain, c'est triste. Ok, j'y vais. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez. Hop, ici, on peut lui mettre le protocole de soutien sur lui-même. Bien que... Protocole de soutien sur celui qui fait plus de dégâts. Sur les vilains. Sur l'ancien. L'ancien, il peut encaisser. Mini, il peut encaisser. Joliet peut pas encaisser. Ça lui donnera un Overwatch. Ce qui ne sert à rien sur elle. Ah là 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 là. Ouais, mais bon. On va quand même le faire. On va quand même le faire. Je pourrais faire l'Overwatch de Rascal, qui est pas mal aussi, hein. Mais je pense que Joliet, j'ai pas envie qu'il se reprenne un coup. Le 1 point de vie qui lui manque pourrait suffire pour qu'il se fasse tuer, cet imbécile. Et on aurait l'air bête. Ok, et éclaireur, bah éclaireur faudrait le ramener. Mais en vrai. Ouais, on va le rapprocher. Je me déplace. Bon, si on l'avait découverte là, j'aurais été dégoûté, hein, je vous avoue. Alors, on peut mettre MJ là. J'en ai marre de poireauter. En vigilance. Ah, elle était derrière. Ah, la saleté. Ok, bon, c'est moche, mais... C'est moche, mais normalement, on devrait pouvoir la descendre ce tour. Ce soldat vivra, mais ses jours sont bien comptés. Je dois avancer. Ok, Bon, faut le soigner, on est d'accord, hein. Théo. Soin. Et je crois que ça le déstun au passage. Espérons qu'on n'ait pas utilisé le stimulus. Ah là 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 là, j'aime pas leur laisser deux points de vie manquants, c'est vraiment nul. Ok, là. On garde. On garde tout. On garde toutes les actions qui ne sont pas une action de kill. Mini. Mini, il faut qu'il nous shred cette arme. Il faut qu'il la prenne de flanque. Ok, j'y vais. Et qu'il me l'allume. Allez. C'est le seul qui peut encaisser un tir. Ah, ça va. De toute façon, il fallait déclencher l'Overwatch, hein. Il y avait pas de doute. Ah, faut qu'il touche maintenant. Ok, 7 de dégâts en critique et 2 de shred. Ça, c'est pas mal. 27%, c'est vraiment nul par contre. Sachant que si on la sèche, les deux snipers, on a envie qu'ils l'allument, hein. Et qu'ils allument le sarcophage, je veux dire. Oh putain, on va se faire tuer. On va finir par en mourir. Alors, Gilou, on va destun elle. Est-ce que c'est gratuit? Doucement, soldat. Elle, on va essayer de la flanquer et de la one-shot, mais ça m'étonnerait. Et le seul moyen qu'on la one-shot ce tour, enfin qu'on la tue ce tour, c'est que Gilou touche ici. Si Gilou touche ici, Costo peut l'achever. Si Costo l'achève, les deux snipers balancent dans le sarcophage. Et à ce moment-là, on est pas mal. Bien que quand elle va aller dans le sarcophage, j'ai l'impression que les deux potes vont apparaître tout de suite, hein. Bon, dans tous les cas, ce tir me paraît indispensable. Oh, et ça a touché. Son armure. Le combat peut enfin... Oh là là. Je vais bientôt être à sec. Du coup là il me donne envie d'essayer. Il me donne vraiment... Ah bah non, il a qu'un tir éclair. Ok. 49%. Adversaire faucheur plus 2. Piste sanglante. Faudrait crit. On a 0%. On peut la mettre très basse, l'a dit. J'ai rien pu faire. Attends, on a encore touché. Vous êtes faible et vous échouez.
Dernier espoir. Parce que là, si on fait pas ça, elle va faire la vague psy. Et la vague psy va nous mettre KO deux gars. Ce qui fait qu'on aura deux gars de moins pour tirer. Ouais, mais on la tuera de toute façon. En même temps, si on touche encore avec de la chance, parce qu'on a réussi 2,40% là quand même. Soins médicaux. C'est l'heure des soins. On va soigner, hein, Baptiste. On aurait pu lui redonner une action, hein. Mais le problème c'est qu'il avait que 66%. Sûrement dû à ses blessures. Donc autant le soigner maintenant et le tuer, la tuer au prochain tour. C'est pas grave. Faut juste mettre une surveillance. Vigilance. Et ouais, quand même le tir. Ah, j'aurais pas dû mettre la vigilance. Est-ce qu'on fait quand même ce tir? 27%, une chance sur 4, allez. Bon, je n'y croyais pas de toute façon. Complètement hein. À côté. Allez, fais la vague, fais pas autre chose. Hein. Oh, non, 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 non. Fais pas un truc idiot. Raz-de-marée, voilà. Mieux serait qu'on résiste à ce truc, si c'est possible. Ok, il y en a qu'un qui a pris. Et on va pouvoir le dessonner avec Costaud. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Costaud qui est tout à l'ouest, mais c'est pas grave. On la voit de côté, donc on garde les snipes. Mini. On va garder Mini. Et si on peut le tuer à la main fulgurante, oh, c'est magnifique. Si on touche là à la main fulgurante, on la tue. Elle va dans le sarcophage et on lui balance tout ce qu'on a. Il est content le FJ. Ok. Oh, le combat de l'espace quand même. Il dure un peu longtemps. Hein. Par contre, là, va falloir qu'on mette tout ce qu'on peut. Hein. Avec la quantité d'énergie stockée dans ce condensateur, j'ai bien peur que l'élu puisse continuer de se régénérer à l'infini. Il y a peu de chances que nous parvenions à... Il nous faut un spotter. Il faut qu'on se concentre sur sa destruction. Ok. Volk m'a demandé d'obéir. Bon, l'avantage c'est que, voilà. Et là, il nous donne le visuel, donc on va faire le tir là. Bon, on a beau être stun, normalement ça devrait toucher autour. 5 de dégâts, ok. On prend. Je dois me ravitailler. Là, il faudrait faire le cône parce qu'il y a les pop qui vont arriver, mais on peut faire le cône plus tard. Neuf de dégâts, ok. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait vraiment rien? Sa barre de vie, elle descend pas? Ou elle est tellement grosse qu'elle descend pas. Je crois que c'est ça. Hein. Elle est tellement grosse qu'elle ne descend pas. C'est un peu effrayant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer aux pods qui vont arriver. Okay. Ou alors c'est qu'on peut pas lui faire de dégâts maintenant, peut-être. Parce qu'elle vient juste de rentrer dedans. Ah, ce serait moche quand même. Juste une vigilance pour les pods. Geôlier. Bon, on va continuer à en venger quand même. Hein. On va essayer. Ah si! Ça fait bien des dégâts, mais pourquoi on voit pas les dégâts? 8. Attends, on a mis 16, 20 quand même. Ouais, voilà, ok. Donc, elle devait avoir une plus grosse barre que prévu. Là, on peut enlever le stun, mais on s'en fout, en fait. Ce qu'il faut... Non, elle, faut que... Si on s'approche, on peut peut-être faire un tir, ce qui fait beaucoup de dégâts hein, au plasma, mais on a le Super Overwatch, et je pense que lui peut vraiment tuer les potes qui apparaissent tout seul. Donc on n'a pas besoin de couvert. Y a quoi, bah, dans tous les cas on s'avance. Et on voit pas l'objet, donc dans tous les cas oui j'ai... Ok, ça me va. Faut pas que ce soit des pods atroces. Hein. Archon c'est chiant. C'est chiant mais pas ingérable. Parce que ça bouge et donc ça prend les Overwatch. CP4. C'est rien pris, donc plus de protecteur. Okay. Ah, il s'est pris autre chose apparemment, parce que sa savoir de vie, elle est ruinée. Ok, et il a une visée holo. Donc normalement, un tir devrait le tuer, ou deux. Donc là, on est bon. Par contre, ça nous a cramé les trois Overwatch qu'on avait préparés. Chrysalis, on lui mettra un tir de sniper enflammé.
Ouais, on va l'avoir. Je pense qu'on va l'avoir ce tour. Désorientation annulée, ok. Alors, assassin, faudrait toucher la chrysalis, mais on ne la voit pas, donc... Boum. Le cône, c'est à ce moment-là qu'il est bien. Parce qu'en fait, si on fait un cône, quand ils vont bouger, ils prendront, et le pote qui va arriver va aussi prendre le cône. L'ancien, on recharge. C'est bon. Peut-être l'ancien qui devrait tuer l'archon. 78, on fait de 8 à 10. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Parce que sinon, il fallait faire 2 tirs dessus. Mais l'ancien, il fait trop mal avec le plasma, donc. Hop. Mini. Tristement, on va run and gun. On va se barrer d'ici et aller tirer sur l'objet. J'y cours. Mais là ils m'ont menti hein, sur la barre de vie quand même. Ils ont abusé. Hein. La barre de vie qui a pas bougé. Geôlier. 77 sur la chrysalis. Ça ne la tuera pas. 73 au pistol. Double tir au pistol la tuerait. Je crois qu'il faut hein. Chrysalis, qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Elle peut pas one shot un de nos gars, on a trop de points de vie ou d'armure. Mais elle peut nous empoisonner. Mais vu qu'on soigne derrière, on enlève le poison. Donc au final, la chrysalis peut rien nous faire. Je crois qu'il faut la négliger. Oh, il y a des gens qui doivent se tirer des balles là, en train de se dire « Quoi ? Quoi ? Tu vas pas tirer sur la chrysalis ?» Il ne reste qu'un soin médical. Hein. Mais on peut mettre un protocole de soutien au lieu de s'embêter. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un protocole de soutien sur l'ancien. J'espère qu'il a rechargé. J'espère qu'il a rechargé et qu'il a une bastos dans son canon. L'avantage, c'est que ça a changé depuis War of the Chosen. On peut sélectionner les gens qui ont déjà agi. On peut voir qu'il a 3 munes. Donc il aura un Overwatch. Et vu que c'est le plus près, j'imagine que c'est lui qui va prendre l'attaque au corps à corps. Oh, on va mettre le protocole. Si je le mets sur moi-même, le protocole... Je peux aussi faire un tir. Et avoir le gardien derrière. Mais un gardien à 2 bastos. Oh, putain, tout ce qu'on lui mettrait là. Oh là là, ce jeu, des fois. Non, je crois que Gilou, c'est celui qui tire le plus fort. Puis vraiment, s'il y a un risque qu'elle attaque quelqu'un, c'est lui. Hein. Après, bon, si elle va attaquer autre chose, tant pis, mais... 82%, je vais mettre la vigilance améliorée. On sait jamais si ça proc. Éclaireur. Ah, on pourrait... Ah merde, je suis con. Parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts costaud avec son fusil tout pourri, là. Ah bah, il peut pas de toute façon tirer ailleurs. On pourrait le recacher, simplement. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas sur lui. Et qu'il va sur Gilou, qui a une chance d'esquiver. Ou qu'il aille sur l'autre qui a de l'armure. S'il va sur un sniper, c'est pas très grave non plus. Si je refais obscurité, faudrait recharger. Je dois recharger. En fait, je vois pas l'intérêt de se recacher. Pour perdre une action. Allez, on engrange. On s'en fout de ces détails. On engrange un maximum de dégâts dans le machin. Assassin. Pareil. On tente le Eye de Lynx ou pas? 9 à 12 quand même. On va le tenter. 10. Ok. Donc il y a un tir. Hein. Je pense que ça doit être 80%. Mais c'est passé quand même. Et on engrange. On engrange à fond. On ignore la chrysalis. Pour vraiment mettre un maximum. Okay. Codex, c'est chiant parce que c'est, si elle nous désarme et qu'elle met une AOE, ça, elle va nous forcer à bouger. Donc le Codex, faudra quand même la tuer. À moins que Gilou la one-shot sur un malentendu.
Oh mais ce gilou. Bon, on a de la chance là, quand même. Je trouve sur le codex là. Et sur les actions d'avant aussi. Même si on a raté le contrôle d'une tourelle lourde la mission d'avant. À 13% ou 17%. Armure rage panique. Ah, elle a paniqué à cause de notre armure. C'est pas beau ça. Il va vers Théo. Et elle rate, ok. On se fait allumer dans le coin. Oh, il a peur de maman. Il a eu peur de maman. Oh mais c'est classe, on va le laisser vers là-bas le gilou. Ok, bon, on focus. Hein. Double tir. Ah, on peut pas faire double tir sur ce truc. Ça c'est triste. Alors attendez. On fasse pas de bêtises. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts pour détruire l'objet? Voilà, on va bien regarder cet objet, combien il a de points de vie. Je crois qu'on peut le tuer. Hein. Ouais, je crois qu'il est mort. Il faut qu'on balance tout ce qu'on est. Donc en gros, faut qu'on se commit à fond. Boum. Ouais, on a largement. Hein. Ça m'inquiète. Parce que si on se rate, on va se faire démonter. Je pense pas qu'il nous tue, à moins que les deux attaquent la même personne. Mais lui, il panique de toute façon. C'est possible qu'il n'ait même pas d'action, le machin. On va l'ignorer. Rascal, il a pas pris le coup, donc on va l'ignorer aussi. On peut me faire un soin médico sur celui qui est blessé. Juste au cas où. Sur Joliet, c'est plus important que sur Éclaireur, mais... Là, on peut pas tuer sur l'objet, mais si jamais on amenait lui à portée de l'objet, ce serait pas plus mal. Là, on pourrait. Ici. Ici. Non, en plein open. De toute façon, les ennemis, c'est que des trucs de corps à corps. On a un Chrysalis, on a un Berserker. Rien à foutre du couvert. Le chef, il a dit, on bourre ce truc. Allez, c'est parti. 9, ouais, ouais. Gilou et Théo, ils font trop mal. C'est vraiment l'horreur. On va faire un tir rapide sur le Zerg. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un autre tir de snipe. Si on peut avoir un kill supplémentaire, voire des loots. Boum. 11 brûle. 7. Colère mais paniqué. Ok, l'ancien. L'ancien, on va l'envoyer tirer sur l'objet. Je crois que ça va le mettre à portée de kill. Bien que... C'est un des rares qui peut one-shot la Chrysalis. Hein. Oh, non, il peut pas crit. Mais bon, il lui met tellement cher que elle pourrait l'achever, donc Mini devrait achever l'objet. 1, 2, 3, 4 derrière. On aurait costaud qui tuerait automatiquement si ça fait le max. Ou sinon, 79. Et on lui vire l'armure et costaud l'achève. Et c'est Gilou qui tire sur l'objet. On fera plus de dégâts. Mais je crois qu'il nous manque un dégât. Donc on oublie cette Chrysalis. On va simplement... Pistole peut-être. 100% au pistole. On fait de 3 à 6, 6 brûle. On peut faire une confrontation derrière. C'est dommage, on voit pas le... On peut faire deux tirs au pistolet. Allez. Deux. Ah, c'est dommage, c'est le pire résultat. C'est pas grave. On va le doubler. Ça nous fera quand même un kill auto. Toujours des XP. Toujours un cadavre de plus. Ok. L'ancien. Le rapprocher là, on regarde bien qu'on puisse atteindre l'objet, ok, on passe pas une grosse boulette quand même. Si un berserker apparaît là, on serait bien, mais... il faut qu'on détruise ce truc. 3 points de vie, costaud ne peut plus le rater. Donc on a Mini qui peut tirer sur le machin. Ah, c'est con. C'est con, il nous manque un tir pour achever les deux. On rate un XP. Mais bon, on va pas faire de bêtises, au cas où il y a un autre twist. On va tirer avec costaud. Et on aura toujours Mini qui pourra faire un tir. Parce que peut-être qu'elle va réapparaître pour la dernière fois et qu'elle pourra plus régénérer. Mais qu'elle soit encore là, on aurait encore au moins le shred. Pour tirer sur... Putain, si elle réapparaît, j'ai été con. Hein, parce que là, peut-être qu'il faudrait que j'attende. Non, il faut pas que j'attende.
faut pas que j'attende, je pense qu'elle sort des trucs. Ça. J'espère que c'est bon signe. Oui. Le processus de régénération a été interrompu. D'après mes indications, donc, elle va sortir à tous les coups. Mais bon, alors, on a une chrysalis qui va nous taper. Bon bah les coups. Ouais, encore un twist hein. Deux twists sur la même mission, ils abusent. Ça y est, je suis à sec. Ouais, le twist c'est que faut la tuer encore une fois. Ok. Ok. Si jamais elle se jette sur lui, on a perdu. Pour certains. Parce que c'est le seul qui peut soigner. Ok, elle n'a pas agi. Et je sais exactement où elle est. Vous affrontez sur un pied d'égalité. C'est grisant. Et pour ça, je vous remercie. Bon, il y a une photo, hein. Faut qu'on le soigne parce qu'il y a des petits bubons dégueulasses sur lui-même. Gremlin, soins médicaux. Par contre, on va le laisser en plein milieu comme ça. Il lui reste une bastos. Je veux pas me précipiter. On va d'abord aller la décloque. Ancien. Si elle est juste là, je peux aller là. Allez. Ça marche. Salut Poulette. Il faut que Mini l'allume. Ça va secouer. Tous les coups, elle va nous refaire un shotgun. Et Mini ne la voit pas. Je vais plutôt allumer ça. Parce qu'il est il est caché par son propre couvert. Ok, Rascal, j'ai bien envie quand même de le laisser en Overwatch en plein milieu. Promotion, joli. Je ne serai pas là. Joli, n'a pas de visuel. Rascal. 31, c'est trop faible. Éclaireur. On va faire un flank. On va faire un joli flank. Et on va le laisser près du copain. En fait, il faudrait qu'il soit côte à côte. Comme ça, si elle stun un des deux, bah, l'autre l'allumera. Mais est-ce que ça la flanque? Ouais, ça la flanque. On l'a pas shred, mais. Je vais où vous voulez. C'est pas comme si on avait le choix. Ok, 4 dégâts. Un petit peu light. Vous faites vos preuves pour votre nouveau maître. Ça va être juste une surveillance ici. Hein, ce qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'elle peut tuer costaud. Sur un coup d'épée, là, elle peut lui mettre 9. Donc ce qui la met à 0 déjà. Mais elle peut aussi la crit. Ça change rien, c'est vrai. Est-ce que je ferais pas simplement protocole? Ouais, mais bon, on peut lui mettre 9. Je vais lui mettre quand même quelques dégâts. Hein. Avec les 3 points d'armure, cela dit, c'est pas tant que ça. Ah non, ben, on va espérer qu'elle tue pas costaud et puis c'est tout. Et Gilou. Voilà. Gilou, il nous a pas déçu. Hein. C'est le plus bas des grades qu'on ait. Donc pour le moment, on s'en sort pas trop mal. MJ, pareil, on n'a pas envie qu'il prenne le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il a 10 points de vie, lui, au lieu de 9. Je crois qu'elle fait 9 de dégâts. Sur un crit, elle le tuerait. Si je le rapproche, ça va lui donner une cible supplémentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler et recharger. Ou alors je recharge simplement. En avant le massacre. Et je mets en Overwatch au cas où elle invoque encore des lanciers. Je passe en vigilance. Parce que lui a un Overwatch à gogo aussi. Hein. Pareil pour Rascal. Rascal, j'ai bien envie simplement de recharger. Simplement aller le planquer là-bas. Putain, qu'est-ce que je fais? Non, il a toute sa vie. Si je mets en vigilance, il peut tirer sur un lancier une fois. Mais ça peut suffire pour faire la différence. Allez. Vigilance. Shogun, ok, elle invoque les lanciers. J'aurais mieux fait de recharger. Tant pis. Si j'avais touché là, ça aurait été parfait.
Et notre sniper, le pistolet était trop loin. Ok. Bon, ça c'était prévu, hein. C'était prévu, on a mis costaud à côté pour le réveiller. Ah, la volonté par contre, c'est moche. Ah, elle se met toujours dans des coins pas possibles. Elle est à l'autre bout du monde de nos snipers, c'est chiant. Hein. Ok. Alors. Ok. On réanime Gilou. Déjà. Ça sera fait. C'est gratuit. Quoi ? Par contre, il n'a qu'une action, plus de vie, on n'a plus de soins. Ah là là. Il faut qu'on tue les deux lanciers. Sinon, Gilou va se faire tuer. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va sûrement nous faire une AOE si on groupe des gens. Donc, il suffit de grouper des gens et elle, on s'en occupe pas. D'un autre côté, si on peut la tuer ce tour... Oh, elle a beaucoup de points de vie quand même. Hein. Ouais, on peut pas la tuer ce tour, je pense pas. Mini, on peut aller... Couvert lourd. Bon, si c'est comme ça. Les couverts servent à rien, c'est deux trucs du corps à corps, mais bon. 50% sur le lancier. On la voit même pas. Ok. Comment on va faire ça? Je crois qu'on est dans la caca. Si on se rapproche trop, on va prendre un coup de lancier. Mais pour pouvoir faire quoi que ce soit, je crois qu'il faut qu'on rapproche MJ. Ok, on voit personne. Oh, je reste en observation. Rascal, il faut qu'il recharge. J'y retourne. Super Overwatch. Stimulus sur Gilou, ça ne lui rendra pas ses actions. Hein. Ça ne lui enlèvera que le stun. Donc Gilou est quasi mort. On va faire la vigilance. Si on peut choper un lancier avant qu'il nous attaque. On va recharger avec costaud. Ah, c'est costaud. En fait, là, les lanciers vont faire quoi? Ils peuvent attaquer costaud, Gilou, Vatis et MJ, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont achever Gilou et peut-être tuer costaud. Parce que costaud est à portée de kill. Hein. On a un Overwatch, deux Overwatch, un qui ne tue pas, un qui ne tue pas, mais qui peut se répéter si ça touche. Ça sent vraiment, vraiment pas bon. Notre super assassin, bah il voit personne. Mais il verrait. Il a qu'une balle. Soit on recharge et on bouge. Alors là en position. Soit on fait un cône qui ne sert à rien vu qu'il a qu'une seule balle. Soit on fait une surveillance pour une balle. Pour essayer de sauver notre gars. Et au prochain tour, on bouge et on recharge. Non, vaut mieux bouger et recharger ce tour. Hein. Oh là là. On n'a même pas un bon endroit où aller. Peut-être ici. Si, c'est pas mal. Et on recharge. En avant le massacre. En fait, le fait qu'elle soit barrée à perpète, ça aide vraiment pas. Hein. Gilou, on peut rien faire. Soit on recharge. En fait, il y aurait le plan, ça serait de tuer lui. Ça enlèverait un lancier. On perdrait que Gilou ce tour. Mais il faudrait toucher là. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre tir alors. Ok. Et là, faudrait achever au Velcor. Oh, mais elle. Ouais, si, elle va faire sa vague à la con là. On a 100%. On fait combien? 5 à 6 et il a 6 points de vie. Oh, ce que j'aime pas, c'est tirer à la con. Une chance sur deux. À moins qu'on le flanque. Non, on a déjà utilisé une demi-action, ok. Parce qu'on a rechargé. Eh ben, go. Ok, 6. Ah oui, il y avait piste sanglante. Non, c'était déjà compté. Ok, donc l'ancien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On recharge. Ou on va chercher le loot? Dans tous les cas, c'est soit costaud, soit Gilou qui va prendre le coup de lance. Je pense pas que Vatis soit à portée. Le mieux, ce serait de recharger, simplement pour le prochain tour. Ou avancer vers le lancier, parce que je suis quasiment sûr que le lancier, il attaque jamais le gars qui est le plus proche, mais toujours
plutôt les secondes lignes. Mais bon, est-ce qu'on sacrifie Costo? Ou alors on va chercher le loot, on s'en fout. Ah, y a ça, l'option du loot me plaît beaucoup. Hein. Position défensive, ça ne sert à rien contre les corps à corps. Non, il faut qu'on reste près d'elle. Si on reste près d'elle, elle fera une vague. Si je me mets à côté, je bloque le passage pour aller chez Vatis. Si je me décale, peut-être que je lui laisse suffisamment de place. Il y a deux Overwatch, hein, faut pas oublier. Il y a lui et lui. Donc si les deux touchent, le lancier meurt. Elle fera une vague de bizarre si jamais je me mets par là. Ouais, donc le loot paraît être une mauvaise idée parce qu'elle est trop loin, elle fera pas sa vague sinon. Ok. Ok. Voilà, donc juste là. On recharge simplement. Ça changera rien, on recharge. Je suis prêt à y aller. De toute façon, il y a aucune action qui n'aide. Hein. Alors, on va toucher. C'est raté, dommage. Et le chef, Théo. Beaucoup trop large. Théo, peut-être. Théo a raté aussi. Ah, bah, il n'y a pas de protecteur. Et il va sur Costo. Inconscient. Ok, on vient de perdre Costo. C'est dommage parce qu'il fait beaucoup de dégâts sur le méchant. Hein. Pas de marée, ok. Elle l'a pas fait où j'aurais imaginé, mais c'est normal vu que l'autre est tombé, donc il y avait plus de zone. Ce n'est 4. Oh là là, mais on va être mal. Hein. Comment on va la tuer? J'arriverai pas à faire autant de dégâts. Je suis la volonté des anciens. Leur lame qui frappe depuis l'obscurité. 71 sur le lancier. Je ne faillirai pas. J'exécuterai. Ok. On peut faire ça. Trois brûles. Oh là là, on l'a raté. Non mais j'arrive pas à y croire. Il a esquivé. Écorchure. Costo est par terre. Est-ce que j'ai un stimulus? Non. Par contre, j'ai une main fulgurante. Ouais, c'est cadeau. C'est raté. J'ajuste ma visée. Et on avait combien sur l'autre? 52. On va faire une confronte, un autre tir. On va regarder le pourcentage sur le chef. 52. Ok, ça vaut pas le coup. On va faire un tir de nouveau sur le lancier. Oh, on rate encore. J'ai tiré dans le vide. On va faire une confrontation. Allez, 3 fois 50%. 4 fois 50%. Oh là là. Stimulus. Ah, on peut stimulus costaud. L'ancien. Ouais, mais c'est des coups à mourir. Éclaireur. Je sais pas du tout qui je stimulus là en fait. Stimulus le bon là. Ah, mais si je fais stimulus, ça veut dire que je fais pas d'action avec mon Théo là, qui est à côté de l'ennemi. Non, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Il faut qu'on aille là et qu'on la flanque. Hein. Oh, mais regarde-moi ce nombre de points de vie. Et on peut faire stimulus aussi sur lui, hein, parce que là on n'a pas assez de mouvement pour la rejoindre. Mais peut-être que Costo aura assez. Non, Costo va se réveiller, donc il n'aura pas assez. Donc en fait, le seul moyen c'est d'aller à côté. Oh là là, il casse près. L'ancien pourrait aussi essayer d'achever lui. Vu qu'il a rechargé. 51. Simplement le mettre là et tirer. Faut tuer ce lancier. Dans tous les cas. Faut qu'on lui mette le plus gros dégât qu'on a, c'est Gilou. Ok, bon. Au moins un tir qui touche. Ok. Et c'est tout ce qu'ils peuvent espérer. Si je la laisse inconsciente, vous croyez qu'elle va faire un truc bizarre, genre la questionner? Non, ça m'étonnerait, hein. Ça a l'air complètement idiot. On va stimulus. On va laisser lui en plein open. Et on va espérer qu'elle mette un coup de katana à aucun des deux là. Ah, mais c'est lui qui est stun. À la limite, on pourrait laisser stun et voir ce qu'elle fait. Si elle le tue, bah on sera dégoûté, mais... Je veux dire, c'est le seul qui a aussi 2 points d'armure et tous ses points de vie. Hein. Éclaireur. Ah, il a ses 2 actions.
deux actions. On la flanque d'ici. Bim. J'y vais. On va l'entamer. Hein. On peut la cacher. En fait, on peut faire les deux. On peut la cacher et tirer, par exemple. Et espérer qu'elle se fasse parpérer. À 50%. Ou alors, on tire simplement. Ou alors, on se cache simplement. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas réveillé mon pote? Maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'en le réveillant, on aurait pu faire une seconde action? Ouais, j'ai fait le con. Hein. J'ai fait le con, j'aurais dû me mettre là, en fait. Ouais, mais là, on a un beau flanc. Si ça cède de dégâts, c'est même pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on va faire les deux. On va faire obscurité. Les ténèbres sont mon royaume. Et on va tenter le 50%. Parce que si on reste caché, bah ça sera toujours un plus. J'ai pas touché la chair. Je serai bientôt à court de munitions. Repéré. Ah, 51, on a fait. Putain, c'est con. Affrontez-moi, fauchère. Inutile. Dans tous les cas, on a plus que Théo. Ben, go, point. 67. Ok, joli. Ça rebondit sur son armure. Au prochain tour, on devrait la voir. Mais je crois qu'elle va nous tuer quelqu'un quand même. Je glisse au-delà de toute perception. Ok, elle a tué personne. Je ne crains que la défaite. Bon, elle nous a donné un tour gratuit là, hein. C'est quasiment ça qu'elle a fait. Tous leurs ennemis doivent mourir. Ok, on va chercher ce loot. Ça mange pas de pain. Information sur l'élu, magnifique. J'ai mis la main sur la marchandise. Si c'est une information sur l'élu qu'on vient de tuer, enfin qu'on va tuer là, c'est vaste blague. Je couvre la zone. Joliet. En fait, il faut qu'on utilise un de nos gars pour bouger, pour que la repérer. Donc je pense qu'elle est partie à peu près par là. On peut peut-être la repérer. Si jamais on voit une case. Je crois qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse pas la repérer comme ça. Et si on fait le mouvement, bah que ça bloque le mouvement. Donc on pourrait la mettre simplement Théo quelque part, genre là. Ok, j'y vais. Ah, il l'a pas contourné. Ok. Elle peut être n'importe où. Hein. Elle peut être vraiment n'importe où. Là. Volk m'a demandé d'obéir. Bah, destun. Ce n'est vraiment pas le moment. Non, on va destun en fait ici. Je sais plus où je suis. Elle va nous tuer un gars. Je vois même pas comment je peux l'arrêter si je la vois pas. Par contre, on peut la tuer si on la voit, parce que j'ai gardé une action par personne. Même Baptiste, on garde une action. Joliet. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand elle s'est téléportée par ici. Donc j'aurais imaginé que là, on allait la voir. Mais peut-être qu'elle est simplement là. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Non, on la verrait là. Avec lui. Donc elle est plutôt par là-bas. Probablement par là. Peut-être qu'elle s'est remise dans un coin là-bas. Ce serait bien de l'enflammer. Je crois qu'il va falloir faire un mouvement un peu bizarre. Espérer la voir là. Ok. Oh putain, elle était en plein milieu. Ok, là on la voit. On peut faire un tir de l'ombre, ça nous dissimulera. Et il y a une chance de l'enflammer. Hein. Ou alors on fait simplement un tir. Et combien de points de vie, assassin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a pas besoin de le cacher. Hein. À moins qu'il se prenne un critique, il devrait survivre. Lui survivra, Théo. MJ peut mourir. Il a 11 aussi, tu me diras. Et là-bas, je pense qu'elle sera trop loin pour aller les slash, nos deux blessés. Donc. Pas besoin de ce fufu. Bien que je préférerais qu'elle tape sur MJ. Ah, je suis pas sûr que j'ai envie qu'elle tape sur MJ. On va juste l'enflammer. Ça rebondit sur son armure. Mini, bon ben on va le bouger un peu. Hein. Lui il peut encaisser un coup, par contre on va l'avancer. Ok, j'y vais. Joliet, alors on a aussi l'option de reculer Joliet pour pas qu'il se fasse choper. D'un autre côté, on peut aussi la flinguer. Lui mettre un tir de côté là. Ah,
mettre MJ en plein open. Ils ont autant de points de vie l'un que l'autre. Franchement, c'est, ça se voit. Hein. Et on engrange les dégâts. Bon, et tu peux la tuer. Ah, 35% et ça la tue pas. On peut mettre un protocole de vigilance sur MJ parce qu'il a il a gardien. Il va faire protocole au pistolet, on est d'accord. Elle va brûler. Mais il peut tirer à l'infini hein, sur elle au pistolet. Si elle bouge. Ah non, il peut pas tirer, c'est une vigilance. Ah, donc ça sert à rien. Si, pour pas qu'il se prenne le coup de katana. Je crois pas que ça marche. Par contre, on peut la tuer. Parce qu'il y a une brûlure. Donc en gros, si je touche à 35%, elle peut brûler de 2 ou de 3. Ah bon, on a raté. J'ai raté la cible. Je crois qu'on va perdre un de nos snipers. Ça sera bien la première fois qu'on perd un sniper. Donc je vais pas non plus pleurer sur leur sort. Hein. Ils sont souvent planqués. Bien que, bon. J'ai chargé ses munitions moi-même. Elle a pris qu'un. De toute façon, même si on avait touché, ça l'aurait pas fait. Allez, faut qu'ils encaissent le coup de katana. Ou qu'elle fasse autre chose. 9, ok. Elle a pas crit. Il nous reste un point de vie. Ok. Ah, la volonté, elle est dans les baskets. Par contre, là, elle tue hein, si jamais elle chope un autre. Et pourtant, la fin est proche. Elle nous attend tous bientôt. Une seule voix mènera au salut, celle de la victoire. Stop. Je vaincrai. Oh, t'as un parce qu'il y a le couvert lourd devant. Ok. On peut réveiller MJ, mais on a un tir. 46% de gagné. Non, même pas. Putain, on est loin du but. L'ancien, peut-être. L'ancien pourrait aller au lourd. Bon, dans tous les cas. Ah, l'Overwatch. Oh là là, attention. Mini peut encaisser l'Overwatch. Rascal peut encaisser l'Overwatch. Y'a quoi par là? C'est le plus éloigné, espérant qu'elle rate. Ah, ok. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Sentez votre vie qui s'effiloche. Tu veux voir ta vie qui s'effiloche? 30%. Ah. Dommage Théo. Ok. Bon, on a réglé le truc de l'Overwatch, on va bouger le gilou. Ça marche. Oh, le tir devrait être nul hein, mais. 43%. Je crois que ça l'a tué. Avec la brûlure. Ah non, elle brûle plus. Elle ne brûle plus. Il y a quoi par là? Lui avec le stun, il touchera jamais. Autant l'approcher. On va les mettre côte à côte pour qu'elle elle envoie une vague. Costaud, ben. Putain. Si je m'étais mis là, j'aurais pu lui tirer dessus. Même en lourd, j'aurais eu un petit pourcentage. Je passe en vigilance. Ben, il nous reste plus qu'assassin. Mais on peut faire un kill auto avec MJ, je pense, au pistol. Même avec assassin, on pourrait presque faire ça. Alors, regardons un peu l'angle. Si on va là... Non, si on va là, en hauteur, est-ce qu'on la voit? On la voit, mais est-ce qu'on a la portée de pistolet? Ça, on peut pas le savoir. Sinon, je fais le 46. 46, c'est bien. C'est une chance sur deux de la tuer net, là, comme ça. Bim. On a l'option numéro 3, qui est de se mettre ici. On a une visée dessus au pistolet. Mais on libère aussi MJ qui aura peut-être un tir au pistolet dessus. Et on peut vérifier. Non. Ah là là, 46 c'est quand même tentant. Hein. Hop, raté. Ah, c'est ça. On a ça. Si je me rate, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peut-être faire l'interroger MJ. Je sais pas, hein, parce que c'est possible. Mais si on rate, notre assassin va paniquer. Hein, parce qu'il panique sur les tirs ratés. il a perdu 3 de volonté là. Pourquoi il a toujours sa leurre? Ah non, il l'a plus. Hein.
je sais pas quoi faire. On va tenter le pistolet. Ouais, on va le tenter. C'est pas une histoire de dégâts, c'est une histoire de... Doucement, soldat. De toucher, surtout. Et au pistolet, je pense qu'on aura pas beaucoup moins. Je pense même qu'on aurait plus. 100% sur le tir de l'ombre. J'avais oublié. Tir au pistolet qui atteint obligatoirement sa cible. Et si ça la tue, tu te furtif. Ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi, commandant. Oh, tuer au pistolet de l'ombre, quand on devient furtif, c'est pas beau ça? Ok, bon, le chasseur, ça risque d'être tendu quand même. J'ai pas pu prendre des screenshots que je voulais. Alors, photo de mission. Ouais. Juste la tourner un peu pour qu'on voit derrière. Rejoignez le combat. Avec le corps du lancier, bah, j'aime beaucoup. Bon, on voit pas beaucoup Vatis, mais c'est pas grave. Hein. C'est normal, c'est le sbire de Théo, après tout. Allez. Bon, on s'en est bien sorti quand même. On a 5 blessés. À la fin, j'ai cru qu'on allait en perdre un quand même. Mais elle fait pas beaucoup d'attaques. En fait, c'était ces putains de lanciers à la fin qui étaient durs. Ce ne sont pas les actions brutales de quelques dissidents qui vont mettre à mal 20 années de paix et de prospérité. Nous sommes unis aux anciens. Faisons confiance. Vous savez ce qu'ils auraient failli nous faire perdre? C'est le tir œil de lynx que j'ai fait avec Sniper. Si j'avais raté l'œil de lynx, il y avait 10 de dégâts de moins. L'équivalent de 2 tirs de snipe. Et du coup, elle aurait régénéré et on aurait eu un combat supplémentaire à faire. Et là, on n'aurait pas survécu un combat de plus. Nous savons maintenant que les élus peuvent être éliminés pour de bon. Je commençais à croire qu'on n'en finirait jamais. Tout le monde est défoncé, hein. La fatigue. Ok. Alors, on promeut. Tir enchaîné, bien sûr. Il aura 5 PC. Le patriarche. Ah, il a le stimulus, il a le médical. Il n'y a pas de raison de prendre le scan. Hormis pour le fun. Geôlier. Main sûre ou position défensive qui améliore la visée. Je crois que main sûre c'est mieux. Et Shadow qui a rien. Tout le monde est défoncé, lui est tranquille. Hein. Alors, Arachide de l'assassin, katana de l'assassin. Cerveau du codex. Oh là là. Ok, et quelqu'un m'avait parlé d'une armure. Nous on a eu que les armes. Ce qui est peut-être bien quand même. Hein. J'aimerais bien voir plus bas. Cadavre. Ok. L'assassin et les anciens s'est révélé redoutable grâce à son sabre et son fusil à pompe. Deux armes qui devraient beaucoup nous rapporter, mais je pense que ce sabre vraisemblablement forgé des anciens eux-mêmes est la prise de choix. Ici on semble être aussi bon, ok. Soldat secoué. Ok, peur des élus. Tu viens d'en tuer un. Théo. Ah non, c'est Théo en plus qui a la peur des élus. Oh bah bravo.
On va l'envoyer à l'infirmerie. On peut pas parce qu'il est blessé en plus. Oh là là. Ok. Bon, bah on s'en sort pas trop mal. Un élu qui est tombé. Alors, c'était pas si dur. En fait, la partie la plus dure, c'est quand c'est... ils sont dans le sarcophage, je trouve. Et non pas quand ils en sortent. Le problème, c'est qu'elle, elle faisait sans arrêt le truc avec les lanciers, là. Et le truc avec les lanciers, c'est un peu chiant. Ils sont pas durs à tuer, parce que t'as souvent des Overwatch. Mais quand même, ça te bouffe un paquet d'options. Et les placements qu'elle avait ont failli nous tuer quand même. Vous avez vu, à la fin, si elle avait pas été du côté gauche, mais qu'elle avait été du côté droit, on aurait perdu un des deux. Parce que Costo n'avait plus de vie, Gilou non plus. Mais bon, c'est pas grave, parce que, regardez, même, admettons, hein, le pire des cas, on perdait Gilou ou Costo. Costo, on peut le racheter, je suppose, avec des missions. Gilou, c'était le plus bas des rangs qu'on avait. Donc, on avait vraiment pas de soucis, parce qu'avec les 4 autres, on aurait fini les points de vie, hein, dans tous les cas. Il y avait peu de chances qu'elle arrive à tuer les 4 simplement en faisant des attaques de katana. Une fois tous les 2 tours. Ou tous les 3 tours. Parce que voilà. Non, non. On pouvait pas échouer, mais on aurait pu avoir des pertes. Voilà. Mais c'était quand même cool. Moi j'aime bien ce genre de grosses missions. Alors je l'ai sûrement coupé hein, au moment où vous regardez. Je l'ai peut-être coupé en 3, je sais pas trop. J'ai fait des pauses durant la vidéo parce que c'était un peu long. Voilà. On va stopper là. On a tué l'élu Katana, enfin l'élu Dre Valinor. On verra ce que ça fait à notre prochaine vidéo sur la carte monde. Il y a sûrement des trucs qui vont changer. Merci d'avoir suivi et à bientôt.